C'était pour merci. C'était pour Mélanie, ça. Ah, ok. Donc, on va recommencer pour moi, si vous voulez. Bon. Yes. Alors, bon après-midi, tout le monde, ça va bien? Oui! Ok, on va se mettre ensemble dans l'énergie du slam. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui! Est-ce que vous m'entendez bien? Ah ouais, ok, c'est cool. Pas besoin du micro tant que ça, mais je vais parler dedans quand même, d'accord? Ça me fait plaisir d'être là, je suis super honoré. J'ai eu une belle invitation de Mélanie, qui en fait est une artiste que j'apprécie beaucoup et qui a rassemblé plein d'artistes que j'apprécie aussi beaucoup. Puis elle m'a permis de venir faire du slam donc avec le thème de la danse dans la matière. Le premier texte que j'ai écrit s'appelle « La danse dans la matière ». Il a été écrit spécialement pour cet événement-là. J'aurai besoin d'un cure-dent plus tard et j'aurai besoin de vous maintenant. Okay? Alors, quand je vais dire 1, 2, 3, vous allez dire slam. Est-ce que vous êtes capable de. Vous êtes prêt à faire ça? Oui. Vous êtes prêt à vous impliquer jusque-là? Oui. Okay, alors c'est, ok, c'est bon. Alors, 1, 2, 3, slam! Yeah! 1, 2, 3, slam! 1, 2, 3, slam! Ok. On pense que tout est dans la manière. Mais il faut se rendre à l'évidence. On danse dans la matière, dans la matière danse. Hey Mélanie, qu'est-ce que t'en penses? Slam! Ok, on crée, on crayonne. On rit, on rayonne. On manie les formes, on varie les normes, on marie les matériaux, mini ou énormes. On les aligne sur notre sentier ou on suit la courbe de notre sentier créatif. On se rallie, on s'allie. Puis des fois, on se salit. Mais c'est pas grave parce qu'on se nettoie à travers nos toiles. Tu vois, le processus est simple. C'est pas obsessionnel, c'est juste beau et exceptionnel. Artiste, peintre, professionnel ou amateur d'art. On crée à partir de quelque part. On crée à partir de quelque part. On se branche dans la matrice, générant en général une énergie généreuse et régénératrice. Une jolie joie légère et géniale. Un vrai concert, un récital qu'on se sert à soi. Mais en étant ouvert sur les autres, c'est doux comme la soie. Ça devient le don de soi. Ça devient un partage qu'on fait par choix. Parfois, c'est dans la douceur, mais souvent, c'est dans l'énergie du cœur. C'est libérateur. On dégage ce qui est pris à l'intérieur. On transmute nos douleurs, puis on les met en couleur. Transformer le plomb en or par alchimie. Je te le dis, ça fait du bien en titi. Tasse-toi de là, on s'enlève du chemin comme par magie. Oui, mon oui, titi, quand tout mon corps part en dérapage, l'or est ma thérapie, un moyen d'expulser ma rage. Quand ma batterie est à terre, c'est ça qui la recharge. Quand j'ai besoin d'un redémarrage, quand je me sens seul en marge, quand je me perds au large, quand mes larmes m'amènent trop loin de mon quai d'amarrage, quand je suis perdu en mer, quand j'arrête d'avoir envie de plaire. Il reste juste l'envie de chanter et de danser, de peindre à ma manière. Je danse dans la matière. La joie du soleil maintenant s'éveille et revient pour m'atteindre, me ramène à mon port, puis elle me dit même de danser la bastringue. Elle me dit, ah ouais, swing la baquette dans le fond de la boîte à bois, ah ouais, donc j'ai des hauts, et puis pourquoi pas, et puis tout le monde danse, let's go! C'est ça le slam, il n'y a pas de limite, ok? Ose, crée, crois, écris, mais surtout crois en toi et en ta cause. Prends ta place, puis si t'as envie, mange trois ta cause. En passant, là. Trois tacos, c'est pas grave s'il n'y a pas de lien. Hein? Moi, je voulais juste vous dire que j'adore le Mexicain, en passant. Surtout dans le slam et dans la création, il y a beaucoup d'artistes qui vont peut-être être d'accord, il faut surtout pas se mettre de limites, ça ne sert à rien. Les barrières en création, il faut les exploser. Alors, je vais compter jusqu'à trois, et en comptant jusqu'à trois, Mélanie, tu vas même tenir le micro qui ne sert plus à grand-chose. Puis, en comptant jusqu'à trois, vous allez dire « boum » cette fois-là. Fait que ça va faire 1, 2, 3. « Boum » 1, 2, 3. « Boum » 1, 2, 3. « Boum » Ça, c'était la vraie fin du slam en passant. Puis, ici à la galerie MP Trésor, les barrières explosent. On est ici dans la galerie, on n'impose rien, mais on expose les arts. MP Trésor.
On crée des liens et on ose. On propose. Ensuite, on dose nos propos, mais tout est dans la manière. On fait pas les choses à moitié, on les fait de façon entière. On sort de notre tanière. On traverse la rivière rendue au pont au bon moment. Les océans deviennent des geysers où jaillissent des gisements sincères. Chaque toile ici est un être qu'on a vu naître à partir d'une émotion. Énergie en motion. Parfois, pour créer, il faut que l'on se fâche. Parfois, les plus belles toiles sont celles que l'on gâche. On s'attelle à la tâche, on répond à l'appel. Si on creuse, chaque œuvre recèle des secrets qui se révèlent à celui qui veut le voir. Technique d'impact, clac, j'en ai plein mon réservoir. J'ai le rythme dans le sang, alors je le sens, tu le sens, il le sent, elle le sent, on le sent, nous le sentons. Et cela monte en nous, cela monte en nous, cela monte en nous. Le goût d'aller jusqu'au boogie, boogie. Envie de bouger, bouger, de la tête aux pieds. Sans oublier le cœur, le cœur est bien ouvert. Le cœur, là, c'est un immense aimant, il est magnétique, et la danse dans la matière est immensément magnifique. Merci. Wow.